Oui, surtout après la semaine que j'ai vécue, c'est sûr que ça me fait plaisir, je ne marque pas souvent. Et là, pour le coup, il est beau. À qui on le dédie ? On le dédie à Agathe, ma fille, qui est née avant-hier. Donc, sa première dédicace. Corner, je fais semblant d'aller au deuxième, je repique, elle tombe pile poil, donc je mets jamais la tête, mais là, je mets la tête et but. Le nul est assez équitable quand même sur l'ensemble. Les deux équipes ont essayé de produire du jeu quand même, donc malgré les conditions. Après, on a un peu déçu parce qu'on avait prévenu les joueurs en début de deuxième de faire attention à ce début de deuxième mi-temps, et puis on prend le but au bout de 5 minutes. Donc voilà, après sur un plan comptable, on est toujours 5 points devant, donc on est à mi-championnat, 5 points d'avance. Voilà, à eux de nous chasser. Bah moi je suis pleinement satisfait, voilà, et puis je me répète, mais bon, par rapport à cet effectif de Vannes, bon, je pense que c'est quand même un bon résultat, même si on peut avoir quelques regrets, mais bon, après, au niveau des situations d'attaque de but, bon, c'est sûr, on n'en a pas eu 50 non plus, hein, voilà. Mais c'est dans la construction du jeu, voilà, je suis pleinement satisfait, en tout cas, de mon groupe. Voilà, ça nous permet de grappiller encore 2 points. Maintenant, revenir sur Vannes, ça sera peut-être l'objectif aussi sur les semaines et les mois à venir, parce que, bon, ils n'ont pas concédé encore de défaite, mais ça sera en tout cas de rester le plus longtemps possible proche d'eux pour essayer de les embêter le plus longtemps possible, en tout cas.